Donc au total j'ai monté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 rangées en blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une barre au point de mousse en bleu. Alors à la septième, donc rangée en blanc, ce que je vais faire. Je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 3, je fais simplement ceci. Et je continue en bleu, je reprends les 32 mailles. Donc 6 plus 32, 38. Je vais croiser 6 et 38. D'accord. Et avec un bout de fil, donc je vais laisser 38 mailles en attente. Et voilà. Alors, j'ai laissé 38 mailles en attente et je vais continuer. D'accord. En bleu, j'ai fait une maille à l'endroit et avec le blanc, cette fois-ci. Si je croise à gauche, et je fais une maille à l'envers et je récupère toutes les mailles. Le jeter ensemble avec 1, 2,
4 et 5. Et en repartant, on fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mailles à l'endroit. Je fais 6 mailles par l'envers, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on termine par une maille par l'endroit. Alors, en descendant, je vais augmenter en bleu, je vais augmenter de 30 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 31 et 32 mailles. Je viens ici. Donc, on ajoute 33 mailles, vous allez m'excuser, et on va faire la première rangée de la manche, 6 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 4, 5, 6, et on récupère 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 15. Donc je prends toutes les mailles, 32 et 33 mailles, une maille à l'envers, 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une maille par l'envers, et on tourne le travail, on fait un jeté, on repart une maille par l'endroit, 6 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une maille par l'endroit. Et on va laisser 6 mailles haut. Et on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 mailles à l'envers.
et 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, plat. Et 6 à l'endroit. On tourne. Je travaille. Donc, toujours avec le blanc, on fait. Tricote les 33 mailles. Une maille à l'envers, 6 mailles à l'endroit, 1 maille à l'envers, le GT, première maille à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, je travaille, fais un GT, on reprend à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 maille à l'endroit et on repart sur l'envers et les 6 dernières mailles toujours au point de mousse. Et 6 mailles à l'endroit. Là, on a fait et on part, on repart, on fait six mailles à l'endroit. Je vais essayer, je récupère le bleu, donc je vais croiser le fil. Et je tricote en blanc, en bleu, 1, 2, 3, 4, 6 mailles en blanc, 27 mailles en bleu. Je prends le bleu, je vais simplement croiser les deux fils, ceci. Oubla. 27 mailles, une maille à l'envers, et j'avais croisé à gauche. Cette fois-ci, je vais croiser à droite. D'accord. Je replace les 3 mailles sur l'aiguille gauche. Deux, trois,
4, 5 et 6. Et je prends le bleu, je fais une maille à l'envers et je récupère toutes les mailles. Le jeté, on travaille toujours ensemble avec la première maille pour ne pas laisser les trous. Et on va repartir comme on fait pour les autres rangées. Et on va répéter les 6 rangées sur 6, disons, carreaux en, 10 carreaux en blanc pour avoir la longueur, la largeur donc de la manche. Et on se retrouve après. Croise toujours le fil, 6 mailles à l'endroit, et les autres, on les tricote à l'endroit. Et on termine, on croise toujours le fil comme ceci. Et alors on va monter. Donc on va monter. 1, 2, 3, 4, 5, 10 rangées. On va toujours croiser pour avoir la manche. Alors au total, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 rangées donc en blanc. Et on fait. À partir de là, on prend un crochet. Donc, je vais arrêter les 33 mailles que j'ai augmentées au début. Je continue donc. On arrête les 33 mailles. Et là, je continue. Donc, je refais la première rangée. D'accord. 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je tourne donc, et en repartant, je fais 6 mailles à l'endroit et une maille à l'envers. Alors, je vais simplement couper le fil bleu et là je viens reprendre les mailles que j'avais laissées en attente. D'accord.
Et là, donc, ce que je vais faire, c'est... Oui. Et je continue avec les syringées qu'on avait fait donc pour le premier dos. On refait le même travail. On va monter au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 14 rangées pour le devant. On va arrêter, on va mettre en attente 33 mailles. On refait l'autre manche et après on refait la même chose. Donc on récupère à la fin des 14 rangées. On va laisser en attente 33 mailles. On va au 33 mailles, je crois. 38 mailles, on va les laisser en attente. On va augmenter 32 mailles. On va refaire la manche. Après les 14 rangées, et on refait donc la manche. Donc là, c'est la première rangée que je vais faire. Toujours. Après avoir donc, fait donc total, j'ai monté en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 rangées au lieu de 12, donc 16 rangées, 16 disons carreaux en blanc. Rangées carreaux. J'ai laissé en attente 38 mailles. Comme j'avais fait pour dans la manche, ça sera la même méthode. On laisse en attente, on fait la manche et à la fin on va récupérer les 38 mailles pour faire donc le second morceau comme on avait fait ici. Donc, quand je vais terminer de faire la manche, je vais arrêter les 33 mailles de la manche et je vais récupérer les 38 mailles pour avoir 68 mailles plus le 22 qui reste. Donc 38 mailles et puis je vais faire donc simplement je vais reprendre comme j'avais fait, j'ai fait ici. Et puis je fais le deuxième morceau. Et puis je donc deuxième morceau quand on va faire la bande donc de boutons de bordure, on va faire quatre rangées, quatre barres au point de mousse et former donc trois boutonnières. Après on va faire donc les coutures simplement. Et puis ça serait fini avec notre brassière. Alors, on termine les deux parties. On va monter, j'ai monté déjà une, deux, trois, quatrième rangée. On va former les boutonnières. Ajouter 2 mailles ensemble. Je prends. Ajouter et je fais une dernière boutonnière. Après, je vais remonter 2 barres de point de mousse et arrêter les 38 mailles avec mon crochet. Et puis, je vais faire simplement les coutures sous les manches. Si. Tiens.